L'année passée, Christian de Porzamparc inaugurait cette nouvelle chaire annuelle dédiée à la création artistique. Il n'est pas étonnant que vous ayez choisi en premier lieu un architecte, tant cette discipline symbolise rigueur et invention. Il existe bien des liens entre architecture et musique. Le plus important est sans doute la disposition naturelle de ces deux arts à envisager leurs espaces respectifs sur des paradigmes de forme et de proportion. De 1974 à 1978, j'ai suivi les cours de Yannis Xenakis à l'Université Paris 1. On connaît la double formation de Xenakis. Ingénieur, il fut pendant 12 ans collaborateur de Le Corbusier avant de devenir le si singulier compositeur que l'on sait. Xenakis a beaucoup compté pour moi. Il parlait souvent d'architecture et cela m'a sans doute incliné à étudier un peu cette discipline qu'il aimait particulièrement. C'est aussi pour moi une histoire de famille. Deux de mes frères sont architectes. À l'unité pédagogique d'architecture des Beaux-Arts, je me souviens m'être passionné pour toutes les questions afférentes aux assemblages citadins. Par exemple, comment une construction moderne peut-elle s'ajuster dans un tissu d'immeubles plus anciens ? Comment fait-on pour négocier l'encoignure et l'équerre de cette même construction si l'arête du mur adjacent doit être impérativement préservée ? Comment aménager cet espace-là en l'agrandissant ? Comment réduire celui-là ? Comment faire tenir ce volume-là dans cet autre-là ? Comment déplacer une symétrie ? Comment désynchroniser les lignes d'un volume ? Comment en composer d'autres ? Comment les recomposer en les renversant puis en les dénouant de façon nouvelle ? Toutes ces questions relevaient d'une multitude de techniques de construction. J'effleurais à peine leurs réponses dans le domaine de l'architecture. Elles étaient d'abord pour moi des interrogations propres à la composition musicale. Comment passer de cette ligne mélodique aiguë à celle-ci plus grave ? Comment associer cette autre ligne à cet ensemble de sons plus complexes ? Comment isoler cet instrument de la masse symphonique ? Comment passer d'une allure rythmique à une autre ? Comment réduire le volume d'une orchestration tout en accélérant sa vitesse ? Comment épaissir telle ligne en réduisant le volume harmonique des instruments qui l'accompagnent ? Comment peut-on brusquement changer l'angle d'une musique ? Et précisément, dans le domaine de la musique, que peut signifier un angle, un volume, une ligne, une masse ? Au-delà d'une proximité conceptuelle de convenance, j'ai toujours aimé observer la façon dont les architectes abordent leurs problèmes de forme et de composition. Cela m'a toujours aidé à dénouer un peu les miens.